Ami, bonjour. Bonjour, monsieur. Que pensez-vous de l'attitude de vos camarades? C'est une attitude vraiment que j'apprécie parce que il est normal que quand la population se sent lésée, qu'il se soulève et qu'il aille chercher, revendiquer ses droits. Donc, c'est vraiment bien. C'est dommage que c'est pas. Le mouvement n'arrive pas à prendre tout le campus. Il y a certains étudiants, comme ceux de médecine par exemple, ils n'aiment pas trop se porter, se mettre dans des situations pareilles. Mais c'est vraiment bien et j'encourage tous ceux qui le font, que Dieu leur donne la force. Alors parlez-nous un peu de vos conditions d'études sur le campus. Les conditions d'études sur le campus. En parlant des infrastructures d'abord, elles sont tellement déficientes. Et à chaque fois, bon, c'est les sujets de discussion qu'on retrouve souvent parmi les étudiants, c'est que ils ne mettent plus, genre, ça n'évolue pas, quoi. Et ça progresse. Le matériel que nous avions avant, au lieu d'être, au lieu qu'on en ajoute, ils sont déficients, ils en manquent, ils se gâtent et il n'y a pas de restauration. Donc c'est vraiment un problème et nous avons vraiment des difficultés à continuer parce que avec le LMD, il faut beaucoup de moyens pour les photocopies et tout. Et en fait, c'est vraiment difficile pour les étudiants maintenant. C'est un peu difficile. Merci. Et j'espère que le ministre, ils vont mettre de sérieux, sérieusement, la main à la pâte pour pouvoir aider la population et aider les étudiants. Merci beaucoup.